Tucson. Hey, salut tout le monde, c'est Mr. Raptor et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Slimes Adventure. Alors, dans l'épisode précédent, je m'étais un petit peu paumé là-dedans, j'avais fait ce machin. Est-ce que j'étais allé voir jusqu'au bout? Ah oui, c'est vrai, il fallait... oui, d'accord. Ok, il fallait que je trouve d'autres torches, voilà, justement pour cette petite salle. Excusez ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée, j'arrête pas de chanter à tue-tête la même chanson. Ah oui, je me disais aussi que c'était un peu trop tranquille. Voilà, ça explique pourquoi. Oui, je chante à tue-tête depuis ce matin, là, donc à force de chanter à voix haute, bah forcément. J'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète, si je puis dire. Bon, alors, je vois qu'on a plus assez de place pour tout ça, on a un stack plein de flèches. Alors ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok, alors. Putain, peut-être falloir que j'arrête de courir, moi. Est-ce que j'ai de la bouffe c'est du porc, donc on s'en fout. Ça donne pas beaucoup, donc autant bouffer. Hop. Nickel. Donc j'étais allé voir un petit peu partout, par là, de ce côté, il me semble. Oui, je sais, il faut que j'arrête de sprinter. Alors ici, il y a un trou, je me demande si c'est seulement pour les mobs. Ou pour autre chose. Apparemment, ça a l'air d'être seulement pour les mobs. Donc là-bas, il n'y a pas grand-chose non plus. En tout cas, pas que je vois. Ah putain, j'ai oublié ce machin. Est-ce que j'ai le droit de casser le sable? Oh putain, ça y est, ces connasses viennent là. Et reviennent me saouler. Tiens. Ok. Je pense que j'ai le droit, hein. Je veux dire, sinon, je peux pas faire grand-chose, quoi. Ah merde, mais je suis con, j'arrive de l'autre côté. Bah oui, mais quel boulet. Ah oui, mais c'était forcément forcé, ça, de toute façon. Oui, ce qui veut dire que je suis un petit peu bloqué, quoi. Je veux dire... Oui, alors non, toi, tu te calmes, l'araignée, t'es mignonne, mais non, en fait, t'es pas mignonne. Excusez-moi. Oula, attention. Désolé. J'ai même pas lancé le chrono, je suis un fifou de la life. Est-ce qu'il y avait d'autres salles? Ah bah il y a un autre. Ah bah oui, bah voilà. En fait logiquement je pense que je dois trouver les différentes torches dans ces différentes salles. Ouh, toi t'as spawné un peu près je trouve. Non mais vous allez vous calmer, oui c'est la teuf ou bien? Eh mais allez calmez-vous les mecs. Ils sont combien ces boulets? On va fermer celle-là, on va défoncer celui-là. Là. Putain, mais sérieux, ils sont combien? Oh, mais calmez-vous! Eh, c'est pas la teuf là, ce que je sache, non? Oh, c'est la fête du slip, quoi. Pardonnez cette expression. Alors, toi, mon gars, tu vas pas me casser les couilles. Je vais péter mon épée, j'en ai rien à foutre. Voilà, crève. Merci bien, merci d'être passé, à la prochaine. Ok, de la lave au-dessus, nos sous-sagnes. Je venais duquel? Je venais d'ici, il me semble. C'est ça. Alors toi, ce qu'on va faire, regarde. Hop, magie, tu dégages. Donc le suivant, logiquement, ce serait par là. Et... Oh bah c'est pas mal ça. Chope des potions, ça me les transforme en banale potion de mes deux. Non mais ils vont se calmer, oui, n'importe quoi. Ouais, d'accord. Alors la table de craft, qu'est-ce que je peux me crafter? Parce qu'elle doit pas servir à rien, je pense. Oupilou, pilou. Bah si, visiblement. Je sais pas trop d'où vient le bruit. En tout cas, par là... Voilà, c'était obligé qu'il y ait un autre passage. Oui. Enfin, je suis censé faire quoi, là, je veux dire... Ou je le sens mal, celui-là. Non, ça va, c'était pas trop... Oh! On change d'épée. Ok, en face, il y a encore une porte, je suis pas allé voir, il me semble, en tout cas. Mais t'as fini de me saouler, hein? Ouais, ça, c'est juste un piège, c'est bien ce qu'il me semble, il sort juste de là, en fait. Ok. Est-ce que je suis allé voir par là? Ah bah oui, c'est la même pièce, je suis con. Mais quel noob. Donc, bah, je pense que je suis obligé de... Y a pas une autre salle, ou bien... Non, là, c'est par là où je suis arrivé.
Ah oui, d'accord. Il y a un coffre là-dedans. Si ce n'est des mobs. Ah, de quoi enchanter. Ouh. Ouh là là, je vais me faire plaisir là. Allez, level 8. Châtiment 1. Ok. C'est pas mal, je dirais. Amusez-vous à péter les portes si vous voulez, j'en ai rien à battre. Tant que vous me laissez tranquille. Oh, il m'a fait peur ce boulet. Désolé pour ce cri si aigu. Oh, j'ai trouvé une autre torche. Vous avez cru que je l'avais pas trouvé, hein. Donc ok, on a trouvé une autre torche. Ah, mais maintenant j'ai le doute. Par où je suis arrivé? Non, c'était pas par là, hein, on est bien d'accord. Hein. Si, c'était par là, putain, je suis con. Donc c'était par là, donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a aussi une porte. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Hop là! Toi, tu me laisses tranquille, merci bien! Merde, c'est la même chose. Je suis arrivé de quel côté? Et ils sont mignons, ces petits cons là! Je suis arrivé de quel côté, moi, maintenant? Je suis trop obligé de me re-regarder l'épisode précédent, histoire de voir par où je suis arrivé. Non, je déconne, je ne ferai pas cela. Si vous voulez, bon. Je suis arrivé de l'autre côté, vu que j'avais pété la flamme. Donc, ok, ouais, en gros, c'est la même chose, quoi. Mais bon, ok. Donc, j'ai trouvé une deuxième torche. Je me demande juste si les autres torches sont au même endroit, enfin en bas je veux dire, ou bien dans les autres salles. Logiquement, elles seraient censées être enfin, au même endroit ici, quoi, je veux dire. C'est quoi ça dessous là? Ouh, il y a du monde là, ouh, il y a du monde là, ouh, il y a du monde là. Ouh, non, toi tu t'es fait bien mal. Toi tu me lâches la grappe. Toi tu vas mûrir. Voilà. Hop. Toi tu me saoules pas non plus. Merci bien. Oh, il spawn de là, c'est clair. En fait, oui, des tableaux. C'est juste pour. Merde, putain, je les ai soignés eux et pas moi. Ah, j'ai le seum. Mais ferme-moi cette porte là, t'es fou, toi. Oh, bien la pelle, même si j'en ai pas besoin. Oh, bien la repelle, même si j'en ai toujours pas besoin. Ah, si, je tiens. Oh, bah oui! Oh, bah c'est marrant ça, je vais mettre des coups de pelle. Oh, bah tiens, oh, je vais te finir à coup de pelle, toi. J'ai envie de te finir à coup de pelle. Voilà, pas une mauvaise idée ça. Allez, viens là. Je te mets des coups de pelle. Petit langue d'or. Voilà, très bien. Yo. Toi, tu me lâches la grappe. Et je vais finir ma pelle, histoire de ramasser le lingot après. Ah, si j'arrive à la finir, cette pelle. Voilà. Où ça devrait aller, je pense, là, avec le nombre de mots qu'il y a. Voilà. Mais il y en a partout! Mais what the fuck! Mais what the fuck! Voilà, on ne saoulait pas, c'est bon, c'est fini. Hop! Oh putain, j'ai plus de bouffe. M'en fous, j'en ai autant que je veux, vu la dose de zombies qu'il y a. Bon, c'est pas que je suis un petit peu bloqué, mais ce serait pas mal que je puisse trouver un endroit où aller, quoi. Parce que, bon, bah voilà, quoi. Donc, on va redescendre là-dedans, vu que, bah, apparemment, j'ai pas trop le choix, ça se passe un peu ici, j'ai l'impression. Un peu beaucoup, même. Non, je vais faire par. Oh putain, j'ai vu l'araignée. Toi aussi, je t'ai vu. Mais c'était surtout toi que j'avais vu. Nya, 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 tu fais mal, tu fais bobo, biatch. Toi, t'as cru que c'était la teuf, hein. Oh putain, c'est une. Ah, connasse, mais laisse-moi! Mais laisse-moi! Putain de biatch. Toi aussi, tu me laisses tranquille. Putain, mais c'est la teuf, c'est la teuf! C'est la teuf! J'ai plus de voix, c'est ça, faites ma gueuler. Bande d'enflure, hein, j'hallucine. Oh putain, il y a encore du zombie en plus. Eh, ouais. Si je ramasse pas officiel, je veux au moins l'XP quoi. Pas déconner non plus. Y'a pas un bouton, un truc là, je sais pas, putain, je voudrais passer quoi. Pas encore totalement soin. Là. Putain, mais oui, c'est la teuf, c'est la teuf, c'est la teuf, je vous dis. Je vous dis que c'est la teuf. Toi, Taras. Oh putain, retaras, retaras, ouais, merci. Si on essayait de trouver un autre endroit où aller. Ok, donc je pense que là je suis en train de tourner en rond. Et c'est pas grave, je préfère. Ouais, y a trop de chemin, j'ai pas pu tous les regarder. C'est pas possible. Donc celui-là, oui, vu que c'est en bas qu'il y a le machin. D'ailleurs, je vais aller poser la torche. Va d'ailleurs aller poser la torche. Je vais de ce pas aller poser la torche. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de toute la torche dimensionnelle? Je me demande. Hein. Torche de la bêtise. Si, il les faut toutes. Hein. J'ai l'impression. La torche rare.
Bon, j'ai l'impression qu'il les faut toutes. Est-ce que j'en aurais loupé au début de la map? Je sais pas trop. Bon, écoutez, on verra. Ah, mais attendez. Merde, c'est quoi le craft déjà? Silex. Non, j'en ai pas. Oh putain. Non, je me disais aussi c'était trop facile sinon. Au jour où à la limite, je me serais crafté un. Un briquet! Pour allumer la porte! Ok, donc par là, je suis déjà venu aussi, mais c'est pas grave. Toi, tu me lâches la grappe, merci bien. Ici, y a rien, on est bien d'accord. Là, y a rien non plus, on est re-bien d'accord. Ici, y a. Ouh, c'est pas passé loin ça. Merci bien. J'aime pas du tout les entendre ces sans-flures là. Là y a rien, on est bien d'accord. Là-bas il y avait l'autre torche, c'est ça. Je suis pas totalement débile. Je sens que ce machin aurait été plutôt long. Tout de même. Non? Vous ne trouvez pas? Cette map, je veux dire. Il y a quand même plein de choses à voir. Ça me paraît franchement. Non, c'est que pour les araignées. Pardon. Putain, mais lâche-moi la grappe. Putain, mais lâchez-moi! En plus, elles arrivent par derrière comme des billatches là. Tiens, bouffonne. Pisse d'icounas. Non, c'était dégueulasse comme insulte. Ouf. Elle est partie où? Ah, l'enflure, elle voulait me la jouer à l'envers quoi. Tu voulais me la faire. Mais vas-y, mais y en a partout! Je vais péter mon épée en plus. C'est la teuf. Allez, je vous l'ai dit, c'était la teuf de toute façon. Voilà, de toute façon, on a que ça à foutre de péter des épées. Hop. Voilà, on va sprinter un peu, ça nous fera pas de mal, je pense. Quoique, l'escalier il est là, c'est nickel. Ouais, bah je pense que je vais devoir sortir d'ici et les autres seront dans les prochaines salles. En tout cas, j'espère. Hein voilà quoi. Donc on va de suite remonter pour aller faire les salles suivantes. Oh, alléluia! Oui, j'arrive même plus à le faire tellement j'ai la voix pétée. Hop, 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 hop. Parce que c'est long. Oh, t'es moche, toi. Viens là, que je te rentre mon épée dans le... Pardon. Donc ça, j'avais débloqué, on est d'accord. Ça, j'étais déjà allé. Si c'est... Ah, attendez. Je connais pas le morse. Attendez. Oh, mais non, mais vous allez pas me saouler, là, putain. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un code là-dedans? Un truc à faire, je veux dire. Non, bah non. Oh non, il y a rien. On est bien d'accord. Ah, un passage secret ici? Non, ok. Un sous-sail. De ce côté, est-ce que j'étais allé ou c'était de l'autre côté? C'était ici, toi tu étais bien ici, reste là. Voilà. Rien au plafond, rien à gauche, rien à droite, toi tu me saoules pas, putain, mais arrêtez de me saouler. Oh non mais sérieux quoi. Eh mais attendez, mais je suis totalement con. Il y en a une là, de torche. Mais quel noob. Lol. Et hop, une troisième torche, il manque plus qu'à trouver la dernière. Et on aura fini cette épreuve. Donc là-bas, il n'y en avait pas, il me semble. Ici. Est-ce qu'il y en aurait une que j'aurais loupée? Par hasard? Non, hein, ça n'a pas l'air. On va voir, mais ça n'a vraiment pas l'air. Non, hein, je suis pas totalement débile, je veux dire. Il n'y a vraiment rien. Aïe. Putain, ce qu'elle a pris, celle-là? Alors, ouais, on va marcher plus vite, nous aussi. De ce côté, il y avait quoi? Non, c'est la même chose, putain. Attendez, peut-être derrière l'autre flamme. Ça se trouve, j'ai pas pété la bonne. Ta-ta-ta-ta-ta! Yes, oui, trop fort! Pourquoi un tableau? J'ai pas capté. Putain, ils font flipper, ces cons. épée en bois, fléau des arthropodes. Bon, on s'en cogne, à la limite, j'ai envie de dire. Donc, les pelles. On s'en fout, j'ai envie de dire. Les boules de neige, on va les prendre à la place des... C'est trop bien ça. Et voilà, donc j'ai pas d'autres torches à part celle que je viens de choper là, donc on va aller la poser de suite.
Et après, bah, je sais pas, je crois que c'est... Merde, je crois que c'est tout ce qu'il y avait côté salle, donc bah, je suis un petit peu bloqué, ça veut dire que j'ai loupé un truc. Et que je suis noob, donc, du coup. Ah, je suis noob. Ouh là là, y'a du monde là-dedans, dites donc. Hein? Non mais vous calmez, oui. C'est pas la teuf, hein, c'est pas la fête du slip, genre la tête. Excusez-moi, là, je suis un secteur. Oups, oups, nique. Dégage. C'est moi qui commande ici. Désolé pour vos oreilles, hein. Sachez que je me suis puni moi-même. Je suis maintenant à faune. Putain de ta maman, toi, dégage. Je vais péter mon épée sur leur tronche, hein, sérieux. Toi, dégage aussi. Ok. Y aurait pas des trucs planqués derrière par hasard? Oh, ce serait trop kiffant, ça. Enfin, kiffant. Vous aurez compris, quoi. Non, toi, tu me lâches. C'est pas le moment. Alors, ici, c'était bien. Oui, c'était bien celle-là. Ok, donc nickel, c'est bien par là. Toi, ta race. Taras, merci bien. Hop, suivant. C'était de quel côté? C'était là-bas, il me semble. Étant donné qu'après, c'était là. Puis là-bas. Puis là-bas. Puis là. Oh, là, je suis trop fort. Je suis trop fort. I am the best of the world. Posons la troisième torche. Third. Non, mais dites-moi qu'il y en a besoin que de 3, sérieux. Putain, j'en ai marre. File-moi ma torche. J'ai rien pour crafter une torche, sérieux. Putain. C'est pas pourquoi. Mais je sens que ça va me saouler. Je sais pas du tout pourquoi. Oh mince, j'avais le micro un petit peu trop haut, peut-être que vous avez dû m'entendre respirer depuis le début de l'épisode, si c'est le cas, désolé. Ce n'était pas fait exprès. Et j'aimerais bien au moins trouver la quatrième torche, vous voyez, dans cet épisode-là, histoire que ce soit pas un épisode en vain, je dirais. Alors ça... Mais j'ai toujours l'étrange impression qu'il y a un coffre de planqué derrière les tableaux. Mais je sais pas si on peut ouvrir un coffre à travers un tableau. Ça m'étonnerait grandement, étant donné que lorsqu'on regarde un tableau, ça le regarde, ça regarde le bloc tableau et non pas le bloc qui est derrière. Même si il est, comment dire, invisible. Disons qu'on peut passer à travers, voilà. Bon, alors, cette torche, ça vient ou bien? Non, hein. Ah bah oui, oh bah profite. T'as raison, Biatch. Toi aussi, profite. Donc j'ai plus d'épée. Hein. Putain, mais c'est vraiment des... Ouh, ce que j'aime pas ça. Bon, aurais-je loupé quelque chose? Non, par là, logiquement, à mon avis, c'est fini. Il n'y a plus rien ici. Donc le reste... C'est censé être quelque part par là. Mais je me demande sérieux à quoi ils servent ces boutons avec les mode blocs. Oh bah ça va, il n'y a pas trop la dose de... Hein, de mob. Non, bah non, hein. Je veux dire, voilà quoi. Est-ce que j'étais vraiment allé voir? Oui, oui. Je sais pas où aller. Non, ici c'est obligé, il y a un truc. Putain. Ça me saoule. Aurais-je loupé quelque chose par là? Visiblement, non. Non, mais j'en ai marre de cette map. Toi, t'as un peu me faire chier, c'est pas le moment. Merci bien. Y'a rien ici, pas une torche, pas rien. Je suis trop fort. Eh oh, trou de balle, je suis là. T'as vu, t'es noob. Lol. Pardon. Donc ici, c'est définitif. Merde. C'est définitif, y'a rien. Ensuite, ici. Bon, désolé. C'est bien ce qui me semblait. Elle est ouverte, mais comment vous voulez que je l'ouvre? Eh, désolé de grief là, mais s'il n'y a pas une torche en dessous. Ok, donc ils se foutent définitivement de ma gueule. Ça veut dire que j'étais obligé de casser le tableau. Vu qu'il n'y a pas de système pour ouvrir la porte. Je peux pas l'ouvrir autrement. Donc ce sont des connards finis, j'avais raison. Voilà, merci. Non mais je n'étais sûr de toute façon qu'il y avait une porte derrière ce machin, c'était obligé. C'était obligé! Dégage le tableau. Hello ma torche. Hop, allez. Je vais remettre ça quand même, parce que... voilà quoi.
Hop là. Ok, toi t'es intelligent. Toi t'es un petit peu con, je trouve. Oh, mais tu me lâches, oui? Biatch. Ok. Il me semble que je n'ai plus de bouffe saine. Sauf des trucs, mais il faut que je les fasse cuire. Donc, je suis dans le caca. Bon, quoique, il y a pas mal de zombies à péter par là. L'inconvénient, l'inconvénient qui peut devenir avantage des maps aventures qui utilisent des mobs spawners plutôt que des dispensers avec des œufs de mobs dedans. C'était par où? C'était celui qui est là-bas. Loupé. ok, bon, on va commencer à manger de suite. Parce qu'on va taper un méga sprint de la mort qui tue. Toi, fallait que tu viennes me couper dans mon sprint, hein, sérieusement. C'était obligé, quoi, je veux dire, tu pouvais pas te retenir. Oh mon dieu, ce qui me saoule. Bon, c'est pas grave, on a fini, c'est le principal. Et si c'est pas la fin de la map, eh bien on aura la fin, qui je pense sera la fin après cette machin, de la map, dans le prochain épisode. Oh putain, je pensais que c'était un... D'accord. Je pensais que c'était un vrai portail, en fait, tu vois. Oui, tu as le droit de casser ces deux pastèques. Alléluia! Ça veut dire que c'est la fin, je suis sûr. Oh, alléluia! J'y suis arrivé. Ok. Oh, mais il y a des mobs partout, mais comment vous voulez que... Eh, mais ils sont sérieux, les mecs? Et moi, je fais quoi, là-dedans? Je m'amuse? Je suis en train de me faire violer par des araignées. Vous trouvez ça marrant? C'est votre délire, hein. À ton tour, Yatch. Il fallait faire quoi? Ah d'accord, il fallait les tuer parce qu'il y a des plaques de pression. Ouf, oh putain, moi je reste pas là. Mais c'est pas encore fini? Mais putain, mais il y a combien de salles dans cette motherfucking map? Je n'en peux plus. Genre, je peux pas. Pourquoi ça s'est ouvert? J'aimerais comprendre, hein. Quand même, hein. Oh putain, est-ce que je la sens mal, Stom? Ok. Ça, c'était obligé, mais genre obligé, quoi. J'ai pas compris pourquoi tout ça, mais bon, c'est pas grave. Tatarapapou. oh, level 12. Ah, j'ai le seum, ils ont fait ça comme de la merde, putain. Chier. Oh, checkpoint. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ok, je sais vraiment pas à quoi ça sert, ces machins. Mais bon, bref. On sauvegarde, on le fait, ce checkpoint. Ça fera un épisode un petit peu plus long, mais je pense que ce sera l'épisode final. Comment je remonte? Voilà. Ok, mini-boss gardien du... Mais c'est pas encore fini? Non mais moi j'en ai marre, hein. Faut que je fasse quoi là? Oh putain, faut que je foute les... Non. Non mais ils sont pas sérieux, hein. Tombe, tombe. Putain, c'est des mobs intelligents. Quoique. Ah ouais, non, si, tu peux quand même. Et de 1, suivant. Venez voir tonton Raptor. Lolilol. Mais c'est quoi ce délire? Non mais ils sont sérieux de faire spawn des machins pareils? Et je vais les frapper eux. Laisse-moi tranquille toi. Toi tombe dedans. Oui, non, non, je veux pas mourir. Oh putain, j'ai pété ma truc en plus. Mon épée, enfin mon machin. Putain, ça souffre quand? Faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse quoi, au secours? Non, puisqu'il est méchant là-bas, le truc en jaune, tout moche. Ta maman! Putain, l'enflure il se planque quoi. Ça met le feu, comme ça il crève aussi. Moi je vais juste aller jeter un coup d'œil là-haut parce qu'à mon avis. Non, bon bah non. Ah ouh. Oh putain, il en manque un là. C'est pour ça. Ok, il en manque où? Là il y en a un, là il y en a deux, c'est encore mieux. Là il y en a un, il en manque un juste là. Ok, venez les mecs, mais pas trop nombreux non plus, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est ouvert, c'est ouvert. Oui. Oh putain, lâchez-moi, ne venez pas. Non, putain, non. Non.
Vos mères, vos mamans. Je veux pas mourir. Allez, niquez vos. Là, je vous défonce tous, là. Allez, hop, hop, allez. Suivant, 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 suivant. Putain, c'est moi qui vais me faire défoncer. Allez, allez, allez. Putain, les autres, ils sont bloqués. Allez, allez, quel noob. Toi, ta race, toi, ta race, toi, ta race. Niqué. Ok, non. Je vais prendre ceux-là. Ce sera mieux. Hein? Oh non, mais non, mais ils sont pas sérieux. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Il en est marre. Mais arrêtez avec vos monstres. Putain, je suis en facile. C'est du hardcore. J'en ai marre. Meurs. Puis en plus, après ça, j'ai pas d'épée, quoi. Ok. Donc ça, très bonne question. De qu'est-ce que je dois faire avec? C'est un labyrinthe. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Le mec, il a, en fait, le mec, il a fait son gros connard, c'est-à-dire qu'il a mis de la glowstone en dessous tous les murs de, en dessous des blocs de verre. Mais des fois, il a mis des grosses feintes comme ça. Oh l'enflure, j'hallucine. Ouh putain, là, ça va devenir chaud. Allez, c'est la dernière épée que j'ai. Elle fait un petit peu mal, mais c'est la dernière quand même. Donc, on va éviter de faire le con. Voilà. On va même pas chercher, je pense, à les tuer. Si on peut les éviter, on va les éviter. Bon, là, c'est pas tellement le cas. Ok. Non, là, c'est du spawn de mob. Oh putain, je suis con. Vous me lâchez, oui, je peux pas manger tranquille, bordel de merde. Visiblement non, mais quand même, quoi, je veux dire. Ok, là, c'est bon, mais il y a un coffre là-bas, donc ça, ça m'intéresse grandement. Putain, ça, laisse-moi tranquille. Oh putain, c'est l'autre côté. Potion de soin instantané. Oh, ça, c'est bon, ça. Ok, donc, pardon, ouvert, fermé, fermé. Hallelujah. Ouvert, fermé, ouvert. Ok. J'aime bien les bugs d'affichage, c'est assez sympa. Ok, un checkpoint, ouais, je vais juste voir le panneau vite fait, avant de sauvegarder ou quoi que ce soit. Ne pas aller dans le nether, s'il vous plaît. Ouais, il y a un truc derrière, ok. Ouais, eh bah si... Ouh, c'est bon, ça. Oh, il y a des popos et tout. Oh, yeah. Donc ça, Ah, mais j'en ai un stack entier. Bah voilà, toi, tu dégages. Je prends ça. Ensuite, la porte... Pourquoi j'ai une porte? Ah oui, c'est là, d'accord. Ok. Donc ça, je prends. Les poulets, disons que ça dégage. Je vais prendre l'épée au cas où, parce que c'est vrai que j'en manque un petit peu, là. Voilà, tout ça, c'est bon. Ici, bah en diamant, ce sera toujours mieux. Hop, hop. Donc, de toute façon, ça, on dégage, ça, on dégage. Les jambières... Je pense que, hein, voilà. Quoique, attendez, j'en ai mis en quoi, là? En code... Oh, bah, allez, en or, on est des fous. Hop, donc ça, ça dégage, c'est cool. Et ça nous fait un petit peu de place. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va simplement sauvegarder en faisant un petit time night. Voilà. On va sauvegarder et on va laisser ça là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve la prochaine fois pour bah, logiquement le dernier épisode. Enfin j'espère parce qu'apparemment cette map n'est pas prête de se finir. En fait elle est infinie, elle ne se finit jamais. Voilà. Donc bon, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me dire, pour me tenir au courant que vous avez aimé la vidéo ou pas. On retient le coffre ? Non ? D'accord. Et pourquoi pas l'ajouter en favori, ça me fera encore plus plaisir. Et en tout cas, à la partager un maximum, voilà. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao tout le monde !